Luthor. Après tout ce temps, voilà que tu viens me rendre visite. Pourquoi ? Es-tu venu me narguer ? Te moquer ? Loki, ça suffit. Plus de faux semblants. Cette fois, c'est moi, mon frère. A-t-elle souffert ? Je ne suis pas venu partager notre chagrin. Au lieu de ça, je te fais ici une promesse plus satisfaisante. Je t'écoute. Je sais que tu rêves de vengeance au moins autant que moi. Aide-moi à m'échapper d'Asgard et j'exaucerai ton vœu. Tu te venges et je te ramène ici. Je ne pensais pas que tu étais désespéré, au point de m'appeler à l'aide. Peux-tu encore te fier à moi ? J'en doute. Mère le croyait. Mais sache que lorsque nous nous combattions autrefois, je m'efforçais de conserver l'espoir que mon frère soit toujours là, quelque part. Cela ne suffit plus à assurer ta protection. Si jamais tu me trahis, je te tue sur le champ. On commence quand ? Ça ne te ressemble pas du tout, mon frère. Cette clandestinité. Es-tu sûr que tu ne préférerais pas te servir de tes poings ? Si tu ne te tais pas, je finirais par le faire. Bien, comme tu veux. Je ne suis même pas ici. C'est mieux comme ça ? Au moins, je suis en meilleure compagnie. Cela dit, je crois qu'on pourrait être moins voyant. Mon frère, tu es ravissante. Tu souffriras autant quand je te tuerai sous cette forme. C'est parfait. Tu préfères peut-être un de tes nouveaux compagnons, puisque tu sembles tellement les aimer. Oh, je me sens beaucoup mieux. Ouh ! Le costume est un peu chargé, et tellement serré. Mais quelle assurance ! Je me sens devenir le défenseur de la justice ! Eh, tu veux qu'on ait une discussion virile sur la vérité ? L'honneur ? Le patriotisme ? Dieu bénisse la mienne ! Au moins me fournir une arme. Ma dague, n'importe quoi. Enfin, un peu de bon sens. Je croyais que t'aimais les tours de magie.